bienvenue à vous sur ce nouvel épisode de Terra. Mais avant ça, on va faire le point sur le sondage que j'ai mis sur Google+. Donc vous avez été nombreux à répondre sur le sondage. Il y a juste eu la dernière réponse qui n'a pas été cochée, mais beaucoup d'entre vous ont été hésitants sur les trois réponses. Donc, si je me souviens bien, le plus de votes, c'était pour « Fais comme tu le sens ». Bon, après, celui où il y a eu le moins de votes, c'est « Non, garde le masque, on t'aime comme ça ». Et le deuxième, c'est « Oui, on va enfin pouvoir te voir ». Alors, maintenant que je sais ça, je dois faire comme je le sens. Et derrière, vous êtes très nombreux aussi à demander que je n'ai pas ce masque. Donc, je vais vous répondre honnêtement, je vais faire comme je le sens. Moi, personnellement, ce masque, il me gêne. Franchement, j'aimerais pouvoir être à visage découvert comme ça sur YouTube. Je sais que normalement, c'est pas bon pour la sécurité, mais bon, c'est comme ça. C'est pas que je me trouve particulièrement moche, hein, je le suis pas. C'est juste une sécurité que je m'octroie depuis le début sur YouTube. Mais maintenant, je peux me faire un facecam en vidéo. Donc, c'est le moment fatidique où je me dis que je devrais peut-être mettre ma tête sur YouTube. Pourquoi j'aimerais enlever ce masque? Déjà pour une marque de confiance. Parce que cela me fait mal au nez pendant un certain temps. Pendant les vidéos piano, c'est pas grave, mais pendant les vidéos dans les jeux, ça dure plus de 20 minutes. C'est saoulant. Je pense que dans les deux derniers épisodes que j'ai sortis, vous avez pu constater que ça m'énervait un peu. Enfin, je sais pas, peut-être dans ma voix ça se constate. Si ça se constatait pas, c'est bien, au moins ça prouve que je sais continuer. Et la troisième, c'est le micro. Le micro, en fait, comme je suis dans un masque, mon air est bloqué dans le masque, du coup il se répercute trop dans le micro. Donc voilà. Juste avec ces trois choses, j'ai trois faits d'enlever ceci. Et vu qu'on m'a dit fais comme tu le sens, je vais faire comme je le sens. Donc, préparez-vous mes minous. Je vais me dévoiler sous vos yeux aujourd'hui. Comment ça va YouTube? C'est JI12 pour te servir. Enfin bref. C'est parti pour Terraria. Le moment que tout le monde attendait sur cet épisode, sur ma chaîne, est enfin arrivé. On va prendre notre personnage. Alors, en let's play, évidemment. En tout cas, j'espère que vous, mes minés, ça vous fera chaud au cœur. C'est un grand courage que je prends à demain. Bon, après, personnellement, maintenant, j'ai plus trop de problèmes. Hein. Après, j'aurais, même avec un gros courage, j'aurais pas fait ça au début. Parce que je suis pas connu, j'ai pas de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je fais pas du contenu normal et regardable. Mais là, aujourd'hui, sur ma chaîne, il est clair que je peux me le permettre. Donc, ce qu'on va faire, mes minous, on a 500 HP et on a des composants. Donc ce que je souhaite faire, il y a une chose aussi que je vous ai oublié de vous dire, c'est que j'ai essayé de farm. Évidemment, je pense que vous en doutez, je n'ai pas réussi à récupérer ne serait-ce qu'un seul Truffle Worm. Donc malheureusement, pour la continuité de ce let's play, on va bien devoir tricher. On n'en prend qu'un. J'en prends pas 50 000. Mais il faut. J'ai essayé de farm en off, j'ai pas réussi. Bah, il faut. Donc voilà. Alors après, on me dira oui, mais t'aurais fait quoi si tu pouvais pas cheater? J'aurais encore continué à farm. Sauf que comprenez-moi, farmer, je peux vous dire que farmer le Truffle Worm, c'est des pires choses. Donc, je préfère encore même farmer les items pour Lang Shield. Parce qu'encore, quand tu farmes Lang Shield, tu l'as, ok. Mais quand tu farmes quand tu farmes les verres pour le Duffish Run, t'es même pas sûr de gagner. Donc, voilà, c'est chocolat. Donc, continuons.
Alors, c'est cool parce que Terraria, il me... Ça lag pas trop. La config que j'ai eue pour les autres jeux avant, il la prend, pas comme Merwatch. Donc, ça sera nickel pour Terraria. Il y a juste Merwatch où il y aura à changer des données, enfin bref. C'est pas très... Personnellement, ça me prendra pas trop de temps, hein, mais c'est un peu chiant. C'est mieux comme ça, tu fais ta tu finis ta config sur OBS, et puis tu joues à tous les jeux, comme ça, tout va nickel. Mais bon, il faut comprendre qu'il y ait des jeux parfois qui nécessitent pas les mêmes ressources. Donc, par contre, ça m'étonne quand même que niveau ressources, Merwatch, vu le jeu que c'est au niveau graphisme, je comprends pas trop. Ah, au fait, sinon... quand je vous ai dit que je me trouvais pas moche, pour vous, ça va? Heureusement que je fais pas YouTube. Heureusement que je commence pas YouTube à partir de 14 ans, parce que je peux vous dire qu'à cet âge-là, au niveau bouton, ouais, c'était plutôt sévère. Je vous le cache pas. Comme tout le monde à la puberté, de toute façon. Même les filles, elles y échappent pas. Enfin bref. De où on s'est pris un dégueul? J'ai sûrement dû me prendre un dégât sans en faire gaffe. D'accord. Le fait qu'il fasse nuit, ça va peut-être un peu nous gêner pour le combat. Parce que... Bon, et puis de toute façon, on mettra des torches, ça sera tout aussi bien. Puis au moins, j'ai plus le nez engourdi. Au niveau du micro, ça s'entendra nickel. Et comme d'habitude, quoi. Et... ma confiance sera... Enfin, vous verrez que je vous fais confiance. Je sais qu'il y a des youtubeurs quand ils commencent, ils aiment bien mettre dans leur début, leur tête. Mais moi je trouve qu'il faut d'abord essayer d'agrandir un, ne serait-ce qu'un peu quand même, une communauté, celle qu'on veut se forger. Et tout simplement essayer de mieux la connaître, essayer de faire en sorte de bien assimiler la communauté avec qui on est. Et ensuite, ouais, pourquoi pas, essayer de se montrer à visage découvert. Alors attention. Oups, hop, 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 j'allais faire une grosse connerie. Parce que oui, ça, c'est une connerie. J'ai avalé quelle potion, ouais. Donc c'est parti. Non. Je risque pas d'invoquer le boss avec ça. C'est parti mes minots. À ce coup-ci tu mourras pas, enflure. Ouais ouais, vas-y, mettez. Hop hop hop, d'accord d'accord. Il s'énerve. On va pas au contact, on va pas au contact, on va pas au contact. What? Mais attends, il l'a fait plusieurs fois sa charge là. Eh, tu triches là le duck. Il triche le coquin, il doit le faire que 5 fois normalement. Je vous rassure, j'ai beau être déterminé, je risque peut-être pas de gagner. Le truc, c'est que s'il aurait pas cette attaque là. Oh, j'ai eu de la chance! Oh, j'ai eu de la chance, il m'a pas touché! Ah, il le fait même plus 5 fois, vous voyez? Il le fait plusieurs fois maintenant. Il le fait plus 5 fois en fait. Me fais pas cette attaque. Me fais pas cette attaque. Eh, c'est chaud boulette hein. Comparé à la dernière fois. Oula, j'ai quelques petites baisses d'FPS. C'est pas grave. On ne va pas mourir pour si peu. Ah ouf. Heureusement que ce dégât là, on se l'est pas pris. Parce que ça aurait été bien dommage. Thank you.
Vas-y, transforme-toi. Ah oui, il charge tout de suite lui, y a pas peur. Même avec les soins, vous voyez qu'il me fait pas mal, il fait pas beaucoup. Ah, il fait pas mal de dégâts. Voilà, c'est. J'allais dire il fait pas mal, mais c'est l'inverse, il fait mal. Faut pas confondre. Faut être très loin de lui parce que sinon, je peux vous dire que ça tourne vite au désastre. Hop, 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 hop. Vous voyez comme c'est chaud un peu au niveau du combat. Faut vraiment pas faire l'andouille. Niveau PV, j'aimerais être un peu plus serein. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Oh non, il refait cette attaque, il refait cette attaque. Faut pas qu'on soit trop loin de lui parce que sinon notre Hatchet Possessed va pas le toucher. Mais ce serait dommage. Il faut en finir au plus vite avec ce combat. Hop hop hop, il charge, il charge, il charge, il charge, il charge, il charge. Ça se voit quand il charge, il va très très vite. Hop hop hop, j'ai pas en sûreté là, ça je peux vous le dire. Non, 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 tu me fonces pas dessus, pas encore maintenant, non. Et il lui reste encore de la vie, hein. Oh, punaise, on a failli s'en prendre une. Allez, on va le tuer, on va le tuer. Il lui reste 2000 PV, c'est faisable. C'est quoi ce critifiette que j'ai lancé? Oui! Allez, donne-moi! Ouais, bon, ok. C'est pas ce que j'aurais voulu. Mais de toute façon. De toute façon, j'ai pas à me plaindre de ce que j'ai reçu. Parce que de toute façon, je l'ai reçu en trichant. Donc. Voilà, peut-être que j'aurais pas triché. J'aurais été chercher. J'aurais eu, je sais pas, moi. Peut-être un objet. Mais de toute façon, c'est le bubble gun. C'est quand même un objet magique. Donc, j'ai pas à me plaindre. Et puis vous savez quoi, Miminou, vu qu'on a encore l'effet du magique machin, machin chouette, on va affronter le cultiste. C'est parti. C'est parti. Il a beaucoup de défense le cultiste. Et la hatchet est une bonne arme contre lui. Voilà, et il faut éviter de le laisser faire cette attaque parce que sinon on est mal. C'est un boss assez compliqué parce qu'il a beaucoup de défense mais il a pas beaucoup d'attaque. Il est on va dire qu'il est moyen. Donc il faut tenir le coup. Eh, hey, comment ça se fait? Il aurait pas dû. Ça, je comprends pas, ça, vous voyez. Normalement, il aurait pas dû l'invoquer. Là, ça commence à être mauvais parce qu'il commence à se dédoubler. Et si on finit pas vite ce combat, on va avoir des soucis. Mais je comprends pas, pourquoi on peut pas. Ça, je comprends pas, ça, vous voyez. Quand il se dédouble comme ça, bah tout à l'heure ça avait marché. Là on peut plus. Possiblement. Non mais là s'il continue là, on est mal. Là on est mal, je vous le dis moi.
Et ouais, il est même pas à la moitié de sa life, hein, pour vous dire. Fais pas ça toi, qu'est-ce que tu fais? On est mort, malheureusement. Bon, de toute façon, il se peut que... Comment dire? Il se peut qu'on ait autre chose à te faire de toute façon, à part le cultiste. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? Bah, voyez par exemple, à la place de continuer à faire le cultiste, on pourrait très bien, comment dire? Déjà, il faut que j'enlève un truc. Faut que je prenne des torches. Ah, je peux faire les... Ah, ça, c'est cool, ça. C'est assez cool, ouais. Parce que ça, comme truc, c'est utile. On va fièrement mettre le trophée du Duck Fish Run dans notre baraque. Et attendez un peu. Comment dire? Ouais, voilà, on a une arme à déposer. Et moi, je vous suggère, vu qu'on a réussi à battre le Duck Fish Run, c'est d'aller rechercher une invocation pour essayer de parfaire notre attaque et au moins avoir les ailes, parce que sinon si on n'a pas les ailes ouais non mais vous allez voir que, enfin, l'affronter une fois c'est une chose, vous allez voir que l'affronter une deuxième fois ça va être autre chose. Si ça lag à chaque début d'entrée de cette zone, c'est normal, c'est parce que c'est une zone très difficile à charger. Du coup, le jeu, bah voilà, il a du mal. Sinon, voilà. Prenons le monde. Et allons, encore une fois, à la conquête du Duck Fish Run. Avec le Bubble Gun, ce coup-ci, ça va être une autre paire de manches. Parce que regardez. Il va pas, enfin, les bulles vont pas loin. Mais si on l'utilise comme ça, les bulles finalement elles vont loin. Et vu qu'il nous suit, au final ça va lui faire très mal. Je vous rappelle qu'on est un mage. Et que si on utilise cette arme, bah, notre armure fera plus de dégâts. Et de toute façon, l'arme de base elle est améliorée. Bah tenez, tant qu'à faire, on a du fric. On va améliorer le bubble gun. Je vois pas pourquoi on devrait pas. Allez mon coco. Non, non. C'est pas grave, on a du fric à revendre. Mortel. Ah, attendez deux secondes. Ah ouais, il est bien comme ça. Bon, on va le garder comme ça. Consomme 3 de mana, c'est pas beaucoup. Clairement. Le bubble gun, c'est pas si mauvais. Mais je vous avoue que j'aurais préféré le Razor Blade, qui est pour le coup ultra shit. Oh, il tire beaucoup plus vite là. Genre, ah, vitesse insensée. Wouah. Ah ouais, là pour le coup c'est cheaté. Là, avant on pouvait pas dans les anciennes versions. Donc à mon avis ils l'ont... C'est quoi le contraire de nerf au fait? Non, pas nerf la marque des petits flingues de mes deux. Nerf. Enfin, si vous aimez les flingues nerf. Quand on est jeune, on a le droit d'aimer. Hein. Mais moi, en général, les armes à feu, ça existe. Non. Mais je disais, non, quand on nerf un truc, c'est qu'on lui donne un malus. C'est quoi déjà l'inverse de nerf? Nerfer. Ils ont octroyé un petit bonus, voilà. On peut maintenant augmenter sa vélocité, c'est pas mal. Encore heureux, ça rend un peu plus ces thèmes intéressants. Et puis, quoi de mieux que d'augmenter ses dommages? On va le tester là. Regardez comment c'est puissant. Une bulle tue un gars. Faut pas demander sur le duck. Ouais, franchement, c'est...
quelques bulles suffisent quoi. C'est vraiment une arme très puissante. C'est pas genre il y a des petites, il y a des plus petites bulles qui font moins mal et tout. Non non, c'est chaque bulle fait le même nombre de dégâts. Donc ouais, le boss, il risque de le sentir. Et pas la peine de vous dire qu'on va se buffer un petit peu. Après on récoltera un peu le citrouille. Regardez comment ça va lui faire mal. Masse de dégâts. Bon, on s'est un peu mis dans le tas, mais bon, c'est pas grave. Oula, 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 oula. D'accord, 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 d'accord. 177. Il est sérieux là? Vous avez vu le nombre de dégâts qu'il m'a fait là? Juste pour voir. Ah, il est déjà en deuxième forme. Bien à quel point le bubble gun il est puissant. Aïe 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 aïe, ça sent mauvais. Allez, meurs, 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 meurs. On va le sentir passer, moi je vous le dis. Il nous aura pas, il nous aura pas. Ah, ça sent mauvais ça. Ça sent mauvais! Genre 175! Mais attends, mais c'est quoi ce délire? Ok. Bon bah, vu que j'ai perdu. Bah, c'est simple. On va faire un peu les autres choses qu'on doit faire. Genre ça. Ça. J'ai fait un peu l'andouille sur le coup. Mais vous voyez qu'avec le bubblegum, c'est très rapide. De dégâts au KLM. C'est sans doute que... Je crois que même le Duck a plus d'attaque que le... Que le Moonlord. A mon avis c'est même sûr. On va récolter pendant ce temps un petit peu les citrouilles. Elles seront très utiles. Et... Bon bah vous savez quoi, la prochaine fois, bah vu que j'ai perdu, ça sera... Je devrai encore fermer les verres. Eh ouais, ça m'apprendra. Alors, combien de citrouilles? Ah ouais. Je savais pas qu'on avait ce pet comme ça. C'est lequel au fait? Ah oui, celui-là. Bon bah écoutez, on va le garder hein, vu que c'est Halloween. Enfin, c'est plus vraiment Halloween, mais on est encore dans la période. Le mec qui va avoir raison, vous savez. Genre, bah si, c'est encore Halloween. C'est quelques jours, mais voilà. C'est comme à Noël, quelques jours après, c'est le nouvel an, donc c'est un peu dans le même thème. Donc on a un peu ramassé toutes les pubs, enfin les citrouilles qui nous passaient. Ah et puis non, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc très sympa. Est-ce qu'il nous reste assez juste? Ouais, à mon avis, il nous en reste assez. Je sais pas si vous savez ce que je m'apprête à faire. Je sais même pas si on a assez. Je sais même pas si on a assez. Ça serait cool qu'on ait assez. Attendez, 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 attendez. Que je réfléchisse. T'es sérieux là? Il nous manque deux alouettes barres. Oh, et puis non, vous savez quoi? On va farmer les boss. Ouais, ça serait mieux. Mais juste une chose. Des âmes d'effroi, ça je suppose qu'on en a. Ça se trouve, on pourrait peut-être faire la... En plus, c'est la spéciale Halloween, donc j'aurais... Ça me dirait bien un peu de faire la... L'événement Halloween. Sauf que malheureusement, voilà. On peut rien faire. On a ce qu'il faut ici.
Ok. Mais il nous manque malheureusement bah deux barres. Au pire, vous savez ce qu'on va faire. On va créer un. Je vais créer les yeux, tiens. C'est quoi déjà les yeux? Est-ce que j'ai encore? Ouais, c'est bon, j'ai encore. J'ai assez. Donc tout va bien. Ah ouais, il nous faut aussi des âmes de lumière. Vous savez quoi? Tout ce qui est inutile, on va le mettre de côté. Genre ça, ça. C'est pas inutile, mais bon, voilà. Ça prend de la place. On va prendre ça, on va prendre ça. Hop. Et on va se créer un œil mécanique. Pour vous savez quoi, à mon avis. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Et on attend tranquillement qu'il fasse nuit. Bon, ok, pas tranquillement non plus. Quoique, attendez, si je me souviens bien, les dernières ailes, elles se forment pas avec... Ouais, non. Je pensais aller tâter un peu les dragons du ciel, mais finalement, c'est pas une bonne idée. Ça nous rapporterait rien de plus que des pièces d'or. Badass quand même, cette arme. Vous allez voir, l'œil, il va le sentir passer. Je vais tellement rien sentir de ses attaques. File-moi tes âmes. File-moi tes parties mécaniques. Alors l'œil qui nous rectait dans les anciens épisodes de Terraria, là je peux vous dire, il va le sentir passer. Allez, en moins d'une minute, je le tue. Challenge, tuer The Twin en moins d'une minute. Pourquoi pas? Ça va être... ouais. L'épisode spécial Halloween. Ah, faut bien. Ah, ce que je vois, les soldes de Steam sont terminés. Il est plus de 19h. Dommage. Mais bon, j'aurais quand même acheté plusieurs jeux. Alors, la nuit tombe? Oui, non, oui. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Je peux vous dire qu'il va souffrir. C'est incroyable, n'est-ce pas? Au revoir The Twin. A ton tour maintenant. Eh oh, t'échappes pas là? Bon bah il est déjà mort hein. Que nini. Sinon on va pouvoir faire ça et directement invoquer sans perdre de temps la Pumpkin Moon. C'est Halloween. C'est Halloween. Bon, je vous cache pas qu'ils font mal, hein, les cocos. Waouh, ils sont nombreux en bas. Alors, ce serait plus utile qu'on ait la Razor Blade parce que du coup, les ennemis ils seraient pourchassés par mon arme. Sauf que là, bah, il faut faire ce que j'ai, c'est-à-dire une arme de contact complètement cheatée pour un mage. Faut qu'on survive toute la nuit. Car c'est la soirée d'Halloween. Je voyais plus mon curseur à un moment donné. La nuit d'Halloween, faut pas la négliger. Elle peut nous tuer. Surtout qu'à mon avis, des nouveaux mobs ont été rajoutés. C'est pas souvent que je fais les événements Halloween et Noël.
Bon, l'événement lunaire, c'est à part, hein. C'est autre chose. Je sais pas ce qui vient de se passer là. Il y a eu un gros lag. Mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, mon armure fait preuve d'utilité. Allez. Ouais. C'est bien parce que maintenant, on a la progression en bas. On sait où est-ce qu'on en est. Ah oh. Il y a l'arbre maudit à côté. Très bien, bon, on va lui rendre visite. Il est badass, hein. Mais vu que c'est un boss, il fait tomber de la vie. Ils sont dangereux, hein. On va peut-être pas rester ici. Ah, on a reçu des goodies. Ok, qu'est-ce qu'il fout l'arbre ici? Eh, c'est pas juste mon coco, normalement tu devrais être en bas. Il est monté comme ça. Je sais pas comment il a fait. C'est peut-être parce que j'ai triché tout à l'heure. Oula, ils arrivent à passer même avec mon arme. Ah ouais, ces ennemis-là ont beaucoup de vie. D'accord. On va peut-être utiliser un gâteau. Plus une potion de fer. Ouch, 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 ouch. On va pas faire l'andouille. On est à la moitié de la nuit. Heureusement qu'ils savent pas descendre, hein, eux. Ils sont plutôt bêtes. Eux, ils font que sauter. Oh là, Pink Pink Moon, lui il m'intéresse. Il a de la défense à revendre, le coco. De toute façon. Il y en a encore un. On est déjà si loin dans les vagues. On va s'occuper plus particulièrement de deux. Parce que. Ils ont des loots intéressants. Bon, les loot pour mage sont pas très intéressants, mais ça peut être utile. Et puis moi je veux une lucky arm, mon pet préféré. Et on a reçu quoi là? Oh merde, c'est le candy rifle. C'est une arme de merde, enfin pour moi. C'est pour ranger en fait. Je sais que le Pumpkin Moon, enfin que le Pumpkin a différentes attaques selon la tête qu'il a. Il a trois faces différentes. Et normalement pour chaque face il effectue une action spéciale. Mais je sais pas trop lesquelles. Je m'étais renseigné à un moment donné mais j'ai oublié. On va reprendre de la vie, hein. Ça se refuse pas de la vie. Le Pumpkin qui veut se porter à moi encore une fois. C'est bien qu'on puisse le battre comme ça. Et on n'est pas encore mort. Allez, file-moi ton item, sois gentil.
Oula, j'ai esquivé de justesse. Allez hop, de la vie. Heureusement qu'on peut l'attaquer comme ça impunément. Alors à la fin de la tombée de la nuit, tous les boss disparaîtront en courant. Comme des fuyards. Et quand je dis comme des fuyards, c'est vraiment comme des fuyards. Ils traversent les murs et ils vont plus vite que vous. Donc impossible, presque impossible. Ou alors faut vraiment être le plus rapide possible. Presque impossible de les rattraper. Selon mes souvenirs. Oh tiens, il y a une Wyvern qui nous a rejoint. Malheureusement, elle a pas fait long feu. Je garde de la vie sur le terrain comme ça au cas où j'ai besoin de me régénérer. Bon, eux, ils ont pas compris qu'ils ont aucune chance contre moi. Ils sont pleins hein, à venir. Encore le candy. Eh mais c'est une arme de merde, pourquoi vous me donnez que ça? Sérieusement, j'ai pas besoin de cette arme. Heureusement qu'on peut esquiver les attaques. Hep. Ah bah non, c'est bon, ils courent pas très très vite en fait. On va les poursuivre jusqu'au bout du monde. Eh toi là-bas, viens par ici. Je te lâcherai pas d'une semelle, mon coco. C'est de la triche, il a disparu dans les profondeurs. Oh le vilain, c'est pas bien. Bon, au moins on a survécu à la nuit d'Halloween, c'est déjà ça. Et puis on a eu des loots hein, quand même hein. Bon, un peu merdique mais on a eu des loots. Voilà. Et puis ça se trouve dans les 5 sacs qu'on a reçus, on va peut-être trouver le Unlucky Arm. Je vous parle beaucoup du Unlucky Arm, mais je vous ai peut-être pas dit ce que c'est. En gros, c'est pas pour rien que c'est mon pet préféré, c'est parce que c'est un beau petit chat noir sorcier sur son balai. Non sans me rappeler Blair dans Sweeter en plus. Parce que ça, le chat lui ressemble vraiment en plus. C'est ça le pire. J'ai hâte d'ouvrir les sacs cadeaux. Alors, on va d'abord vendre tout ce qui nous sert pas au mec. Ah si, on a reçu le bas de scepter. Ah ça par contre pour le coup c'est une bonne arme. Donc on va l'en remplacer. Vous savez quoi, j'ai plus besoin du yo-yo. Ouais, j'ai plus besoin du yo-yo, c'est clair. On va enlever ça. Ça. Quoique, on va peut-être garder au cas où, on sait pas. Ça on va enlever, ça. What? 39 or! C'est que ça vaut cher! Je suis pas déçu de ma vente. Oups, pourquoi je fais ça? Maintenant, il est temps d'ouvrir. Ok, d'accord. Non. Allez, s'il te plaît, fais pas ton radin. Non. Je sais que c'est un objet rare, mais. Bah, c'est un objet rare. Voilà. Allez quoi, c'est Halloween. Donne-moi mon cadeau. Un beau petit chat. Ah j'aurais... Si avant la fin de Let's Play, je peux vous montrer le chat. Ce serait génial. On peut pas tout avoir malheureusement. C'est comme ça. Ça va là. Ça va ici. On va se racheter encore des popos. De mana. Parce que je vois que même avec le bubble gun, on en a perdu pas mal. Ah, c'est nouveau maintenant, on peut acheter le chapeau du magicien. Bon bah,
j'ai appris quelque chose dans cet épisode. On va créer plusieurs gâteaux. En créer 9. Voilà, 9 ça me semble parfait. Ah non, bon, on va en créer 10. Je pensais en avoir un, mais c'est vrai que je l'avais consommé. Et on va les mettre là. Ouais, bah il y a déjà des citrouilles qui ont poussé. On va prendre les citrouilles. Et puis on va se laisser... Enfin... Et puis on va se laisser là pour cet épisode de Terraria. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Que vous pourriez me mettre un commentaire pour me le faire savoir. Un pouce bleu pour me faire savoir que vous avez été satisfait, voilà. Et de partager autour de vous. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et toujours en face commentary. D'ailleurs, j'espère vraiment que je ne vous déçois pas. Mais de toute façon, ça, c'est mon souci. Je m'en fous un peu, finalement. On peut me dénigrer, me dire quoi qu'on veut. Je suis parti sur YouTube, c'est pour rester maintenant. Donc, toujours sans monétisation, évidemment. Ciao mes minous. Et miaou. Premier mollement en fiescam. C'est pas le mieux réussi,